Moi, je suis très émue d'être dans cette salle parce que, par définition, c'est l'essence même du documentaire qui s'y est inventé. C'est l'origine même du monde du cinéma et c'est aussi le désir. C'est ça qui est très, très émouvant quand on voit ces documentaires des Frères Lumière. C'est le désir d'être au plus proche de la vérité. Et ce désir de vérité, je pense qu'il demeure encore aujourd'hui chez toutes celles et ceux qui font du documentaire. Ça m'inspire beaucoup. Les premiers documentaires des Frères Lumière, qu'on connaît par cœur, La sortie d'usine, ça a été toujours un fil narratif qui, je crois, reste très important, y compris chez des jeunes cinéastes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui s'est imprimé dans la tête des gens, j'aurais tellement aimé être dans cette réception où les gens ont vu pour la première fois les premiers films des Frères Lumière, c'est-à-dire des images qui bougeaient. Ça reste, le cinéma, c'est en mouvement. Et ce cinéma qui fait vivre la vie autrement, d'une manière, entre guillemets, fictionnelle, qui nous fait vivre la vie des autres, la vie, c'est un... La vie documentaire s'est introduite dans le cinéma de fiction et vice-versa. Et de plus en plus, la vie aujourd'hui, c'est faire du cinéma, voir du cinéma, partager l'amour du cinéma.